Encore bonjour. Bonjour, notre cher journaliste Guy. De santé, santé politique na République démocratique du Congo et au tambola bien makasi na lolenge mukwantombolo fati beto azolu kele yango vraiment et puis le peuple congolais en général. Comme but que moi tomba bien mon boka, que de nomba mon en cas d'actualité. Oyo bino ba imboko quoi qui qu'on négocier. Na on intérêt à on dirait que on négocier ba rebelle. Quoi pour négocier na Paul Kagame pour que Kimia. Il y a Bitumba vraiment parce que banamboka il faut bailler ba pour ça la différence bo balanda Félix Antoine Tshisekedi bien makasi na tango azoloba il faut bazala vraiment attentif na problème oyo problématique to ça na ngo ya Bitumba parce que Bitumba oyo e bandi lelo na Félix Antoine Tshisekedi te za Bitumba oyo Félix Antoine Tshisekedi aye ko kuta mais na boyeli na ye a pouvoir a décider à lobby. Ngai nakotika laka jamais kondimaka ba négociation oyo ezo humilier biso une grande nation comme ça une petite nation comme Rwanda continue toujours à nous humilier yangwana lobaka ayebisaka communauté internationale parce que souci à communauté internationale bazalaka toujours ba fabriquer batu na bango wana ba marionnette na bango ba ye pona kotinda bango na RDC et puis babandi ko senga binono bosa la brassage mixage bozu batwana botie bango na armée lobi lobi batwana ba serebife ba siliki lisusu babimi balobi ono toza mécontent to sepelite na ba accord ba ko kende lisusu ba ko zongele biso po babanda okomona botikali na ba o wana mais les uns entre eux balobi ke no toza mécontent to yokani bien te ata 4 5 babimi lisusu bakeyi babandi ko sala rébellion de façon que non bamemele lisusu biso ba étranger mususu ba ya koko tsele biso bango na armée jusqu'à ce que non mission na bango ezala rempli du fait que chef de l'état a déjà compris que non eza système na bango créé par la communauté internationale de nous infiltrer et puis affaiblir notre armée yangwana oyoki chef de l'état lobaki net il ne va pas négocier. Alobaki a ko négocier te na Kagame mais alobaki na ko négocier te na M23 d'ailleurs to si to qualifier M23 eza lukuta munene mukwa ntombolo alakisi yango na briefing na ye atikalaka jamais ko benga M23 na Kinshasa wa po ba négocier na bango à ce moment là M23 M23 bayaki bango moko ba solicitaki pour que bayamba bango bazalaki na stratégie ya ndenge kaka tozolo ba ya infiltration bazolaki ce que non bazalaki pour que non babundisa chef alobaki chef d'état alobaki babundisa ba groupe armé pour nous aider à donc de façon à ce que non to siliseli kamboya ba groupe armé oyo ezana est la République démocratique du Congo à éradiquer définitivement ce système. Mais tant que baye, aussi longtemps que chef de l'État avait déjà compris que non, batu oyo bazoya pour que non lobby lobby ba infiltré biso yango na boyaki ko yamba bango. Mwana mboka landa wilingoma alobaki yemoko ke azalaki wasalaki 14 mois ba bandaki ko tourner bango na ro chef de l'État ayambaki biso te. Eza wilingoma nde mutu alobaki. Mais qui l'avait invité? Mais toi, tu as une marionnette à Rwanda, 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 tu as une marionnette à Félix tu as une marionnette à Rwanda, tu as une marionnette à c'est pour vous dire que non. Chef de l'État avait déjà compris que non, ces gens ici venaient, ils étaient les envoyés de la communauté internationale et ils ne pouvaient pas, en étant
patriotes ne pouvaient pas, ne pouvaient plus céder à leurs désirs, à leurs besoins de continuer à nous infiltrer. Parvenir un jour à cette mission à Bango, penser à Bango et Kokisama. Il y a un monde qui nous a tenu en échec, moi, dans Mboka, ma marionnette, la communauté internationale, nous a tenu en échec de façon que nous, chef de l'État, lobby bien, nous avons la confusion, nous avons négocié parce que la communauté internationale, nous avons été en Nairobi pour que nous avons négocié dans le M23. Il y a des gens qui sont en Nairobi, net, nous avons négocié dans le Batouana. Au lieu que nous avons négocié dans le Batouana, nous avons négocié dans le maître de Bango. Donc, Moutou Oyo a un esprit donc, sanguinaire Kagame. Moutou Oyo a moni que non, Congo est en place naïe. Oyo a un esprit expansionniste. A moni que Congo est en place naïe. À chaque fois, il faut ayaka koiba, copier. Bon moni, président de la Pologne, Oyo ayaki récemment, na Rwanda, Oyo a l'obaki que non. Ceux qui sont attaqués, Rwanda, Bango va soutenir militairement. Et ça pour Nanine, c'est parce que Pologne depuis 2017, ba tonga ki usine na Bango, industrie na Bango, na Rwanda pour na extraction y a éteint. Depuis basala usine Oyo, directement Basilisi Yango, chef de l'État continue na pouvoir. Batikalaka ata mukolo moko te ko exploiter même un kilomètre y a éteint. Sur base de ça, il y a des bango kanda. Bazana kanda de bomoni que non, ceux qui vont attaquer Rwanda, ils vont soutenir bango militairement. Or, baso bosana. Tant que vous avez militairement, c'est la communauté internationale, c'est l'OTAN. Batindiye. Mais baye ba keno, na Congo, bakosala bitumba wana te. Chef de l'État, Azak clair, na ko négocier na M23 te, na ko négocier na l'air maître, oyo baso tinda. Na batwana ya communauté internationale yango lelo chef d'état tikala koloba te ke non to négocier te aboya dialogue te wana iza maloba ya ba ennemi ya mboka batoyo bazolinga Congo te parce que même la guerre mondiale, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, pour que parce que comment est-ce que l'ONU a été créée? L'ONU a été créée c'était à partir du dialogue pour que non va parvenir na ko trouver organisation oyo et qu'on banda, qu'on pèse à peine dans le monde, de façon que les gens ne sont pas les habitants. Mais comment est-ce que notre guerre ici, les ennemis de la nation, ils ne sont pas en dialogue. Ils ne sont pas en dialogue, mais il faut que le dialogue soit en dialogue. Et puis, qu'est-ce qui a montré que nos chefs de l'État ont mis en dialogue? Parce qu'il est resté toujours lui-même, avec de mêmes conditions. Oyo a posé ça. Alors, avant de négocier avec Kagame, il doit d'abord répatrier Batunaye à M23. Batunaye oyo bazana sol congolais, il faut bazonge pa na bango. Azongi se biloko na ye nyoso. Ba oyo bakotika la comme des congolais, batinda bango na décantonnement. Mais ce sont toujours des mêmes conditions. Oyo Kagame alingaka te. Maintenant c'est ta Kagame parce que alingi alobi soki Kagame alingi to kende na nini na dialogue. To kende na négociation na nzela ya paix. Kagame doit faire ce que moi je lui demande. Ce qui a boité, nous sommes prêts à lui faire la guerre pour imposer notre sécurité. Mais pourquoi pour Kagame aussi a donné exigence pour la Kimia? Est-ce que d'abord on a vu ça? A Sengina pour reconnaître les tribus, toutes comme les tribus, les communautés, toutes comme les tribus congolais, pour la Mboka. Parce que oui. Et je crois que vous avez suivi ça. Moi, la Mboka, est-ce que Kagame a un avocat, il y a tous les Congolais, c'est sur le sol congolais. Mais comment est-ce que Moutou Oyo Aza Libanda, quelqu'un d'un pays ami, a commis chaque fois qu'on défendre tribu Wana, à défendre Batou Oyo Aza Namboga Naye, à payer sa sécurité, à résoudre le problème de Yanzala Oyo Aza Namboga Naye, à quoi y'a qu'on répondre Ndenge Nini, qu'on luka Abanda qu'on résoudre Wana Aza ingération. Ingérence, Toboyi ingérence. Na makambu ya République démocratique du Congo. Et puis, ingérence wana, ce n'est pas Kagame. Oyo akoya ko banda ko, donc, a koma donneur de leçons. Na mabele na biso. Kagame a koza la jamais donneur de leçons. Mais il a dit que les tribus tout si bata discriminées. Tout ça.
Moi, Namboka, c'est un aventurier. Cette marionnette ici de la communauté internationale et d'autres pays, Oyo, Bazo Fan dans la Simanaye. Moi, Namboka. Mais il était notre frère à ce temps-là parce qu'on avait besoin de coopérer avec lui. Mais lorsqu'on a remarqué que non, le monsieur était méchant, tu peux continuer à coopérer avec lui ou bien tu peux frère, ce n'était pas un péché. C'est parce qu'on avait la bonne volonté de coopérer avec ce monsieur pour qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors ce monsieur, Oyo, Azolo Bamakamboya, Batuti Congolais, en République démocratique du Congo, nous avons plus de 445 tribus. Plus de 450 tribus Oyo Tozana Bango en République démocratique du Congo. Et puis toutes ces tribus-là sont toujours minoritaires. C'est quoi minorité Oyo Azoye Bisebiso est une minorité Yawapi. Et ça, donc, tribu Oyawapi est majoritaire dans la République démocratique du Congo. Biso Nyonso, Tozana a droit d'être aussi protégé comme Nenge Bazo Senga Pona Kosenga. Pour le peuple Tutsi, tribunaux sont en RDC, ils ont le même droit. Même les Tutsi aujourd'hui, ils ont aussi le même droit que d'autres tribus. Mais tant que nous avons un peuple à part, c'est-à-dire ils nous disent que non, ce sont des étrangers. Kagame, Azalakimia, Batuti Congolais, Oyo Abengi, Batuti Congolais, sur le sol congolais, ils auront la sécurité et la paix que l'État congolais a assuré. Et ça, Kagame était. À quoi est-ce que vous pensez à la République démocratique du Congo? Vous êtes en train de reconnaître une tribu Tutsi dans la République du Congo? Nous avons, je viens bien de le dire, nous avons plus de 450 tribus. Les Tutsi ne sont pas, ce n'est pas une tribu dans la République démocratique du Congo. Les Tutsi, c'est un peuple, Oyo, Aouta, na Rwanda, Bayaki, Awa, Bakima, Bitumbakuna, parce que Bazaki n'a problème. Mais aussi longtemps que Baye, Baboyi Kozonga na Mboka na Bango, biso toko boya Bango te, nous devons leur réserver une place au Bakotikala na Kimia. Parce que na charte, il y a ONI et ça permis. Mais ce n'est pas un péché. Ce n'est pas. Donc ça ne doit pas maintenant être notre malheur d'avoir accepté à ce que ces gens-là puissent être sur notre sol, puissent vivre paisement sur notre sol. Et puis ça devient maintenant à ce que nous, biso tous à la 14 jours, Babo Makabiso. Bande konabiso baza la violer ba maman, donc des enfants boyo bazo tikala orphelin à cause ya bola monabiso to sala na bande kwana te baza la calme soki ba ye pona ko fanda na Congo to koboye la bango te yango to lobi soki ba oyo ba koya po bazo wa nationalité d'une manière individuelle to kondime la bango. Tu es congolais, tu es Congo, tu te dis congolais. En entre-temps, aux autres comploter pour Nakoboma ba Congolais, à ce moment-là, tu n'es pas Congolais et les Congolais ne vont pas te supporter. Tu ne supportes pas Bangote, mais ceux qui sont en Kimia, ils sont en Dekonabiso. Quand vous dites que le M20, ce sont les Rwandais, mais on a les Congolais de verre et de mer. Pourquoi vous avez un M23, en lobby, et un mouvement pour être libéral, un mouvement européen pour libérer la République de Congo n'a pas ces deux mondes dans le lot. Tel que mon amboka Jean-Jacques Mamba, on va décider déjà dans Ngambo, il y a un bâton, de connaître Nanga, tout ça pareil. Comment vous êtes de voir les démarches, il y a un bâton, tout ce qu'on va faire dans Ngambo, il y a un bâton. Jean-Jacques Mamba, c'est un frustré. Jean-Jacques Mamba, Ndenge Bozomona Yewana, ba Congolais, ba très fâché, très énervé, na kadri ya komona keno. Moutou Oyo Abandegi Kozombongo à l'État, Azalaki supporté par notre caisse nationale, par de finances congolais. Moutou Oyo l'État Abandegi Kofutambongo naye. Le lot Azo s'est comporté, c'est-à-dire, tant que les Congolais Azo Koufoua, dans la République démocratique, pour la raison et la sécurité, et ça y est Sengo Pona Bango. Comment est-ce que toi tu te dis Congolais? Hôtel Maboyolo Bakeno, c'est parce que n'a perdre siège Nanga. Na parlement, na députation, batte qui siège nanga, yangwana na ken na rébellion. Et zande ba esprit na ye. Il a toujours eu un comportement de rebelle. C'est un homme très orgueilleux. Mais tozo ye bisaye boye. Na moment oyo na moyalelo, biloko ya keko salawana ezo engagé ke ye moko. Peuple congolais,
ata mutu moko po mona keno biloko ane kotika la ko simba te epi kongole moko te azana sima ya biloko ana bakoza la teni na échec. Jean-Jacques Mamba problème ya liboso mwana mboka oyebi tango makambo ya Jean-Marc Kabunde bandaki ezalaki kop oye professeur Njoli azwaka na maboko ya batu ya PPRD ba pesa ka ye $100,000 de façon que non ba destituer Jean-Marc Kabundi na comme président vice premier vice président de l'Assemblée nationale tango professeur Njoli a recevoir mission oyo akenda ko kutana Jean-Marc Kabundi ayebi si voilà ce qui m'a été proposé par batu ya PPRD batu ya FCC ba lobby que non biso lokola toza batu ya toza na bango na coalition mutu na biso akobi mana motion oyo te. Il faut aider la motion Oyo et alimenté par un membre de l'opposition. Alors, je vais proposer à Mongo Oyo $100,000. Il y a des gens qui ont stratégie parce que ils ont besoin de lire Mongo Oyo. Mais ils ont yangote na koluka mutumoko oya kosala yango nde akendaka koluka Jean-Jacques Mamba. Tant que luki Jean-Jacques Mamba, Jean-Jacques Mamba aye ye moko pe Jean-Jacques Mamba. Quand je parle ici, il était parti voir Jean-Marc Kabundi. Lui dire ce qui a été. Jean-Marc Kabundi avait refusé catégoriquement d'attendre Jean-Jacques Mamba et aussi lui donner aussi ses oreilles. Mais Jean-Jacques Mamba attaque Jean-Marc Kabundi d'être orgueilleux. Jean-Marc Kabundi a dit que le col au Kenya est contre la Macambunayo. Mukolo Jean-Pierre Bemba Mwana Mboka aye koyoka Macambuana aye bisaka Jean-Jacques Mamba. Zongisa mbongo ya batwana ozwi na lingi koyoka yote na makambo oyo oke okay, kokota wana mais Jean-Jacques Mamba lokole zaka esprit na ye ya très très parce que ils avaient fait ses partis à Jean Bemba zalaki na prison ba komisa ka parti oyo parti ya cop c'était devenu une cop pour eux. Alors Jean-Pierre Bemba bimi na prison il a dit que non mais comment est-ce que nous pouvons faire la politique de cette façon. Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba avait refusé d'obtempérer à l'ordre de son chef. À partir de ce jour-là, il y a Jean-Pierre Bemba qui a été nakali soute. C'est ainsi que nous avons eu l'élection, mais il y a eu une chance. Le peuple congolais a dit qu'il faut voter. Le Congolais a dit voter par rapport au comportement affiché à la fois passé. Il y a eu Jean-Pierre Bemba qui a été. Après, Sima, bonjour, mona. Ce monsieur voyou a tellement à l'objet que non, batte qui poste nanga, yangwana, n'a qu'à y rejoindre M23 pour que non, toya kolongo la Congo n'a pas si. Jean-Jacques Mamba zala kiawa, aya kolongo la Congo n'a pas si, si quoi Congo oya koya kolongo la n'a pas si. Oyo, tango bakoya, bobomi batu, ne bokoya si quoi, bolongoli Congo n'a pas si, si quoi bokoya ko dirige banane, parce que nous avons plus de 12 millions. Et puis bazoya tango bakoya wana ba nombre wana ya bato bakokufa bazo commenter soko Jean-Jacques Mamba bakoya ko diriger banani c'est-à-dire biso toza ba marche pied na bango soki tokufi ezapo na bonheur ya ba Jean-Jacques Mamba na bato oyo ya lolenga ya boy yangwana jeunesse congolaise toza na kanda tozo lancer message d'abord na Belgique oyo azo se servir comme caisse de résonance ya déstabilisation. Il y a la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la Belgique? Oui, siège, il y a l'Union européenne. Siège, il y a l'Union européenne. Parce que tant que l'Union européenne a une décision, il y a une assemblée. J'ai suivi le message du président de la République. C'est un message diplomate. Mais en soi, déstabilisation, la réunion nocturne, il y a ma bête pour le Congo. Nous sommes ça, Makaka, la Belgique. Mais comment est-ce qu'un pays ami peut chaque fois permettre aux ennemis de ton pays, ton ami, de venir à chaque fois faire des réunions na Moganayo? Vous ne voyez pas qu'il y a une complicité? La Belgique a permis à Jean-Jacques Mamba d'aller faire une conférence de presse na Mabele, na Bango sur leur sol. C'est un pays démocrate, c'est libre. Oui, un pays démocrate, c'est-à-dire. Bazad na démocratie na bango wana bango bazozo ba rebelle nyonso ya RDC ba loger bango à quoi sert maintenant coopération militaire to za na bango to zo coopérer na bango na niveau ya justice
est un pays démocrate. Nous venons aussi d'être. Donc, tout cela qui est à l'élection. Est-ce que les Belges vont éviter que nous, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a un président qui a été élu avec une majorité écrasante. Batinda Kamutu na bango awa, journaliste na bango awa, oyo journaliste à l'Union européenne, ayebisaka bango que non c'est que je vis en République démocratique du Congo. Et ça, donc elekelingai na comprendre en côté le peuple va assister à l'élection oyo même dans des moments difficiles, mais balali libanda. Azonga ka ayebisaka bango que n'y a pas moyen de contester. Mais tant que bazo mona mutu, à peine qu'on vienne de passer les élections, il y a un président élu, les institutions de la République, d'autres sont en train d'être mises en place pour que nous, le pays puisse bien marcher. Ce sont des institutions établies d'une manière démocratique et aussi sous la légitimité du peuple congolais. Mais tant que nous allons permettre qu'il y ait des gens qui vont raisonner pour nous déstabiliser Mbokawana, est-ce que ces gens ici sont démocrates? C'est pour faire voir que nous, Bazab accomplisse tout ce que toutes les tueries boyoki fait frigoler en bongo na message na ye a salaka a outi ko sala a lobby des multinationales bazana kati ya ko sala ba réunion ba multinationales wana bazaba nani. Ce sont toujours des occidentaux, ce sont toujours bato ba fanda na bamboka na bango oyo bango bazo soutenir na ba na ba crédit, parce que ces multinationales fonctionnent avec quel argent? Il fonctionne avec l'argent emprunté dans des banques oyo ya bango bazo financer bazo futa ba taxe na bamboka na bango. Mais lorsque ces gens ici continuent, il y a ce que nous ba financer guerre aux anaïs la République démocratique du Congo, même ces gens ici, la Belgique se permet de se servir comme siège de déstabilisation yangwana jeunesse congolaise. Tozo la c'est un message solennel na ba Belge, il faut ba yeba keno. Ce qui va continuer na ba modèle ya boyé ba représentation na bango eza awa na ba représentant na bango baza awa na ba édifice na bango na ba faire biso toko attaquer yango et puis toko saccager yango et puis to luka départ na bango, parce que ils ne sont pas dignes d'être en République de et de vivre avec nous. Moi na mboka, merci beaucoup mon mboka. Donc on bien la suite sur la biso te parler sur gouvernement Valérie Pisila. Déjà officiel et débat déjà, mais ce côté va faire courant et puis mon amour à titre ta mère à boy pour ça là mon amour à chaque fois ma époux à passer qu'il y ait un peu d'intérêt là et ça m'a donné que ce qu'on a reconduit ça m'a donné à faire pour l'autre. Comment vous avez trouvé cette idée là de l'état qu'il a fait? Oui, mon amour à pona l'icamboyaba affaire courante, chef de l'état ça qui clair. Il avait dit que non, il s'est servi de l'article 110. Batignon sotango bazo tanga article 110 alinéa 2. Boko kende ko comprendre que non, article est lobby bien que non. Si un député est élu, au moment où il est élu, a sali choix naye. Fonction a sali choix, a za élu. Et que aye koza la nommé à une fonction quelconque du pays. Pendant que a za nanou député, son poste à l'Assemblée nationale doit être suspendu. C'est ça ce que l'article 110 oyezoloba. Mais tant que bato bazoloba que non, au moment où nous parlons, l'Assemblée nationale bato bazawa, parce que tant que bazoloba que non, député wana poste na ye wana ya Assemblée nationale et qu'on la suspendu et au grand besoin à cause la remplacer par un suppléant. Mais à ce moment-là, le député sera où? C'est-à-dire, il sera occupé d'autres fonctions ailleurs. C'est ça ce que la Constitution a dit. Maintenant, lorsque le président de la République s'est servi de cet article-là, maintenant, il y a quelqu'un qui se met pour faire saluer le président de la République, soi-disant, oh non, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, peuple congolais, tu es billé. Est-ce qu'il y a un monde qui a tabu le roi Salawana, il y a un sentiment, il y a une manipulation, que le peuple congolais a billé? Tu es billé, qu'il y a un moïbi, un marion. Quel roi que Kamerhe a déjà fait, mais lui-même il fait des rois, mais pourquoi lui-même n'a jamais été un roi? Un mauvais politicien, un mauvais manipulateur. Yé Kamerhe, c'est une simple manipulation. Est-ce que vous que le peuple congolais a dit que le peuple congolais va bêter en Kara, va pécifier raison, va lobby que Mboke Kotikala
stationné te mboka ezan a besoin ya keno net boye na minute au moins na mboka ezo beke crise ezaya makasi kota na cité a mbongo ezo circuler te pona nini parce que le gouvernement qui est là c'est un gouvernement qui assume les affaires courantes n'engage pas totalement les décisions du pays alors à ce moment-là mboka etika la suspendi parce que les gens ont besoin de faire voir au monde que non, ils le respectent. Bazalaka toujours bongo balinga koko sa peuple congolais. Fati Béton a lingi ko expliquer peuple congolais article par article. C'est qu'est-ce qui est fait? Gouvernement ya Sama Lukonde. Sama Lukonde a cueilli, a déposé des missions naïe en bonne et due forme. Le chef de l'État a eu acte en dit que bino bo démissionner. Mais à l'obi, maintenant il y a un problème. Lorsque vous démissionnez, c'est pour aller servir la nation aussi. Mais il y a un besoin ici. Qu'est-ce que nous allons nous servir? Nous allons nous servir maintenant de l'article 110. Ma benina sali, de façon que nous, batouana, mbokeza na bango na nous besoin. Et ça, problème, il y a caméra, à Téléma, à Salassemblant, tout ça, c'est une manipulation. Moutoumo côté, à Kolandabilo, qu'on a yéwana, et ça, quand a biloko yémoko, à Zolukapo, à se racheter na peuple congolais. Namabe oyo bango boyimi makambu oyo ya SA République démocratique du Congo Kamere aussi a des trolls là dedans yemoko Kamere pe a des trolls là dedans parce que tango Kabila oyo na batuna ye babande ko sala ba négociation wana bien que na 2008 alukaki ko se rebiffer muke pour tromper parce que il a toujours le système de sacrifier le président en place lorsqu'il travaille avec eux mais pour cette fois-ci avec Fati et ko tika la ko lekate. Merci beaucoup, Mme Boko. Attends, nous avons une émission. Maintenant, je m'en prie. Qui est à 30 secondes? Langage, yamouke, il y a 30 secondes au Yoraza Nango. D'abord, peuple congolais a pési félicitations na secrétaire général Okistin Kabuya na Moussala Oyo, Azana Katia Kosala, Oyo Azala qui est formateur, les lois commis formateur pour que nous a présenté chef de l'État, ba structure de base, il y a bien. Oyo ko servir chef de l'État, lobby, a nommé premier ministre, Basala gouverneur. Peuple congolais, jeunesse Mobimba. Nous sommes tous les soutenir les gens qui sont prêts pour faire vie à Bango pour une cause noble, une cause commune qui est une cause nationale. Le col à Bango peut faire vie à Bango pour que nous défendre la frontière de Nabiso, sécuriser tous les paix, biso paix, tous les téléma, nous frigoler en Bango, à Télémi à Lobby, que nous soutenir papa. Épiscopo Nabiso, en tout cas, te félicite yo pour cette fois-ci, te comprendre que non, papa Amongo a mis une décision à peuple parce que c'est le peuple qui s'est imposé. Alors, il était obligé d'obéir et d'obtempérer à l'ordre. En tout cas, papa, au Salim Moussala Nayo, en tant que non, église au milieu du village. Mon numéro, c'est +243 85 13 653. Toko tika la kanabino tozo discuter ba information ezabele salimi ko lebele tokutanite en tout cas na lingi bino mingi peuple congolais je dis puis je vous remercie. Merci.